2024. Transformation 2024. Bienvenue à Transformation 2024. Transformation 2024. Nous allons faire descendre le feu des écluses des cieux. Préparez-vous, ça va chauffer. Shalom, peuple de Dieu, je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Ici votre frère Emmanuel Aya. Alors, je viens par cette vidéo vous inviter à un programme exceptionnel dénommé Transformation 2024. Dieu nous a visités pendant Transformation 2023. Et j'aimerais vous rassurer qu'en cette année, en cette saison, en cette période de Transformation 2024, le Dieu de Transformation 2023 est toujours vivant. Et je vous assure, il va vous visiter. Alors, mobilisons-nous, invitons nos proches, invitons nos familles, car Dieu s'est décidé lui-même d'ouvrir le ciel en cette période de transformation 2024. Ça va se passer sur notre plateforme de Famille en Christ. Restons connectés et que Dieu vous bénisse abondamment. Transformation 2024. Transformation 2024. Bienvenue à Transformation 2024. Transformation 2024. Transformation 2024. Nous allons faire descendre le feu des écluses des cieux. Préparez-vous, ça va chauffer. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard. Comment vous allez? Ça va. C'est grave. Ça va. Vous avez quel problème avec mon foulard, en fait? Vous avez passé une excellente journée? Plus ou moins. Ok. Bon. Est-ce que nous sommes heureux de nous retrouver là, une fois de plus, pour élever le nom de Dieu? Excusez-moi, deux secondes. Excusez-moi. Donc, nous allons nous disposer parce que nous sommes là pour élever le nom de notre Père
Celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a fait grâce. Et c'est lui qui a coulé son sang à la croix pour nous. Dans cette soirée encore, nous sommes réunis pour élever le nom de ce papa qui est un père responsable, qui est un père formidable. Donc nous allons nous disposer et nous allons élever nos voix déjà pour appeler la présence du Saint-Esprit. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'une fois de plus, il nous a permis d'être là. Une fois de plus, il nous a fait du bien. Parce qu'une fois de plus, il a renouvelé ses bontés dans nos vies. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Père parce que toi, ô Père, tu nous as encore fait grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé ce privilège d'être là. Merci Seigneur parce que tu sais prendre au-delà de Seigneur parce que tu as permis que nous soyons encore unis dans cette soirée. Nous disons donc merci pour nos cœurs sont partis. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Pas soupçonné, mais papa, moi je suis là. Toujours. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci. Merci Seigneur pour ta merci. Gloire, ta gloire qui existe. Merci. Merci Seigneur parce que toi tu fais du bien. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Parce que toi, tu es un responsable, papa. Ce soir, Seigneur, nous voulons merci te prendre. Parce que je peux parler. Merci parce que je peux marcher. Toi, tu es là. Merci parce que mes mains. Parce que nous savons que toi, tu es là. Merci parce que je peux écouter. Merci parce que je peux voir. Oh Dieu, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Nous allons, il y a un chant qui dit que ta gloire descende et qu'elle envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. On va prier, nous allons lui demander de faire descendre sur nous sa gloire. Nous voulons qu'il établisse son règne dans nos vies. Et nous voulons que cette soirée, vraiment, qu'elle puisse être, qu'il nous sature de sa présence. On va appeler le Saint-Esprit. On va demander à Dieu de prendre son compte, de prendre le contrôle de ses temps. Ah, nous te prions une fois de plus. Seigneur, que ta gloire descende dans ces lieux. Que ta voix résonne. Ta gloire descend. Esprit. Et envoie ce Esprit. Que ta voix résonne. Pour la liberté. Donne-les ce soir. En ce lieu. L'esprit, nous voulons ton règne en ces lieux, nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, nous voulons que toi tu viennes que nous, non pas notre volonté, mais ta volonté, ce soit. Esprit, toi, papa, oui, papa, ensemble, nous voulons chacun la balle, nous voulons aussi qu'à la main. Oh, viens régner, viens régner. Toi, tu es bon. Viens régner en ce lieu, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans nos âmes, Saint-Esprit de Dieu. Voulons que tu comment ne pas te louer, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que toi, tu nous fasses du bien. Nous avons besoin que tu prennes ta place. Rien,
Ta présence, Seigneur Dieu, est-ce que toi, merci pour tes bontés, au Père. Merci pour tes bienfaits que toi tu manifestes, mon Dieu, Père. Je t'en compte parmi les gens, Père, simplement par ta grâce. Je te dis merci, au Père. Je te dis merci, Père. Bénis en ton nom, Père, et Père. Bénis en ton nom, Père, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, Père, et Père. Saint-Esprit, prends ta place, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous notre volonté. Béni, Père éternel, ce soir. Nous, Père, une bonté au Père éternel. Magnifie, Père, pour tout ce que tu es, tout ce que tu es. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit élevé au Père éternel. Que ton nom soit glorifié au Père. Amen. Amen. Je pense que hier, le prophète, il nous a enseigné, il nous a édifié, et le message d'hier, je pense que ça ne m'a pas touché que moi, mais ça nous a parlé d'une certaine manière. Et on peut se rendre compte aussi que parfois nous avons des attitudes que nous pouvons avoir qui nous éloignent aussi du plan de Dieu, qui font que parfois les desseins de Dieu ne s'accomplissent pas forcément dans nos vies. En cette soirée, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons lui demander pardon. Nous allons lui dire, Père, prends la place qui te revient dans nos vies. Pardonne-nous pour nos moments d'égarement. Nous voulons que tu prennes la place dans nos vies afin que nous puissions être sensibles à ton esprit. Nous voulons que toi, tu prennes la place pour que nous puissions être mieux disposés à comprendre et à discerner tes voix. Parce que parfois, là, on peut avoir la prophétie, oui, c'est vrai, c'est bien. Mais si je ne sais pas quoi en faire, je vais me dire, parfois, ça ne me sert pas à grand-chose. Et nous allons lui demander pardon parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui attristent aussi le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui nous éloignent même aussi du plan de Dieu dans nos vies. Et en cette soirée, nous allons prier. Nous allons lui demander pardon pour cela afin qu'il passe, que les écluses des yeux soient ouvertes pour nous. Mais vraiment, demandons-lui pardon afin que nous puissions être capables de mieux comprendre ce que Dieu veut. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous venons devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, que souvent nous faisons des choses qui nous tournent pas. Nous reconnaissons, oh Père, que souvent nous pardon, au Père, parce que nous reconnaissons au Père éternel que nous avons mal devant toi, au Père. Nous faisons des choses, 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 au Père. Je viens te demander, Seigneur, pardon pour tout ce que je fais qui ne glorifie pas ton nom. Papa, je viens te demander pardon pour tout ce que je fais. Ne permet pas à ton nom, c'est pour tout ce que je fais. Je viens te demander pardon pour tout ce que je fais. Je veux, Père, te renoncer à ma personne. Je veux renoncer à ma personne, Papa. Et je veux que toi, tu prennes la place. En ces lieux, Papa, nous sommes là parce que nous voulons que ton nom soit trouvé. Et nous te demandons pardon aujourd'hui. Nous ne voulons pas ta place. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu nous montres le chemin. Que tu nous montres ce que nous devons faire. Que tu nous conduises, Seigneur, afin, Papa, que nous puissions être comme toi. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Ce n'est pas facile, mais nous voulons, Seigneur, que toi nous accompagnes. Nous voulons, Seigneur, que toi nous aides et nous envers que toi. Apprends-nous, Seigneur, à tes écoutes. Apprends-nous à te célébrer. Nous voulons, Seigneur, que tu nous nous demandons pardon, ô Seigneur, ne te dis pas de nous faire. Pardonne nos fautes. Pardonne nos débordements, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, au sein de ce pour rappeler ta grandeur. Ramène-nous au sein de ce pour rappeler ta grandeur.
savons que toi tu es grand, parce que nous savons que tu es assis sur ton trône de gloire, Père. Tout ce qu'on considère comme des péchés, toi tu es élevé, Seigneur. Et papa, toi tu es capable de briser, Seigneur, toutes ces forteresses, capable de briser tout ce qui retient ta petite. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves de la maladie. Nous ne sommes plus esclaves de la culpabilité. Nous ne sommes plus esclaves de nos penchants. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et on s'est séparés, papa, nous venons te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous faisons, papa, qui ne t'honore pas. Nous te demandons pardon parce que nous nous abandonnons à toi, Père. Des maladies. Papa, toi, tu es celui qui brise les chaînes. Oui, tu les brises, papa. Nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, papa, nous venons devant ton trône de gloire en cette soirée. Nous venons te demander de prendre ta place. Merci. Merci. Il y a un chant qui monte sur la table de mon cœur. En fait, il est assez simple, je pense. Je ne le connais même pas totalement, mais il dit « Il y a une prophétie sur ma vie. » Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Ça dit « Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. » Je n'échouerai pas, Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur de nous rendre sensibles afin que nous puissions être des enfants obéissants. Comme la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il attend que nous soyons des enfants obéissants. Nous allons lui demander, Père, rends-nous obéissants. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à t'obéir. Même quand cela est difficile, nous ne voulons pas faire les choses parce que les choses nous plaisent, mais nous voulons faire les choses parce que les choses te plaisent. Parce que ce Dieu-là, il a des plans parfaits pour nous. Parce que ce Dieu-là est merveilleux. On dit que Dieu a formé des projets de bonheur pour ta vie. Il a formé des projets de bonheur pour ma vie. Il a formé des projets de bonheur pour nous. Et nous devons apprendre à le louer et à l'adorer en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et nous devons lui rendre grâce parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Comme a dit le prophète hier, le manque d'obéissance aussi ferme notre ciel. Mais en cette soirée, en cette saison, nous ne voulons pas avoir voir que les portes de notre ciel puissent être fermées. Nous voulons que les portes soient ouvertes. Et nous allons prendre l'attitude, nous allons demander l'attitude qu'il faut afin que nous puissions manifester le règne de Dieu dans nos vies
afin que vraiment que le Saint-Esprit nous habite en nous. Nous allons lui demander, Seigneur, de nous remplir. Nous allons lui demander de nous faire. Nous allons lui demander de nous rendre obéissants. Même quand ça fait mal, même quand ça fait mal dans la chair, on se dise, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour Dieu. Élevons nos voix et au pied. Je puisse faire ta volonté. Père, je veux que tu bénisses. Que moi se taise et que toi tu prennes ta place. Je veux que tu établisses ton règne au-dessus de moi. Ne veux pas faire les choses comme moi j'ai envie de les faire. Et je veux que toi tu me dises. Je veux faire de toi ma priorité. Je veux faire des intérêts du royaume ma priorité. Parce que toi, tu dis dans ta parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et je sais, Père au Dieu, il y a certains d'entre nous, Père, que si je fais de toi ma priorité, Papa, toi, tu te chargeras toujours de mes situations. Tu te chargeras toujours de moi, Papa. Tu es un Père responsable. Je veux, Seigneur, que tu disposes mon cœur à l'obéissance. Je veux, Seigneur, que tu me disposes à l'obéissance, Papa. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Je ne veux pas que ce soit une petite partie de moi qui te serve, et je veux que mon être entier te serve. Je veux que mon être entier te serve parce que toi, tu mérites d'être loué, parce que toi, tu mérites d'être adoré, parce que toi, tu mérites d'être célébré. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu prennes ta place. Nous voulons, Père, que toi, Père, je te prie que toi seul tu t'installes encore dans mon cœur, que tu t'installes encore selon ta volonté à obéir à ta continue à demeurer dans ton intimité. Obéir à ta volonté. Obéir à ta parole. Amen. Amen. Quand je grandissais, mes grands-parents sont brahmanistes. Et il y avait pas mal de chansons qui nous apprenaient. Hier soir, je me suis souvenue de, après l'enseignement, j'ai deux chansons qui essaient de revenir dans ma tête. C'était « La voix du Seigneur m'appelle » et il y a une autre chanson qui dit « Ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. » J'aimerais que nous puissions répéter ces paroles ensemble. Ô Jésus, prends ma vie. Ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Ô Jésus, prends ma vie. Ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. J'aimerais que chacun de nous ici ait conscience de ce qu'il est en train de déclarer. Ô Jésus, prends ma vie. Ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Donc dire que je renonce à moi parce que je lui laisse prendre la place qui lui revient. On est d'accord. Cela veut donc dire que je renonce à moi et je reconnais que Jésus est merveilleux et que mon être entier l'appartient. On est d'accord. Amen. Cela veut tout simplement dire que je renonce à moi et que je me dis, même s'il y avait des péchés mignons que je pouvais avoir, je lui dis, prends ta place, je m'abandonne parce que tu es capable de me transformer et je vais t'obéir pleinement. On est d'accord? Amen. Et après que j'ai fait cela, je pense que si mon ciel était fermé parce que je manquais d'obéissance, est-ce que l'ouverture de ce ciel ne se fera pas? Je pense que oui. Et la suite dit, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi.
Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Quand Jésus prend le contrôle de ta vie, est-ce que tu penses qu'il va t'exposer au mal? Je ne pense pas. Je pense qu'il va s'occuper de ses enfants. On va reprendre. Ô Jésus, prends ma vie. Ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême. C'est ta volonté. Ça veut donc dire que ce n'est pas ma volonté en premier, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Ça veut donc dire Amen. Que parfois que ce que moi je veux peut être contraire à ce que Dieu veut moi et que j'accepte de me soumettre parce que ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Ah oui, amen. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien, je ne veux et je n'aime que ta volonté. Donc, même si la volonté de Dieu me fait mal, j'accepte sa volonté. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a un acte de soumission là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Ah oui, amen. Et là, pendant que je suis en train de dire ça, j'ai un chant qui vient qui dit « J'abandonne tous mes péchés. » Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous abandonnons Est-ce que quelqu'un se sent rechargé? Est-ce que quelqu'un a renoncé à lui ce soir? Est-ce que quelqu'un se dit j'ai laissé la place à Jésus ce soir? Je n'aimerais pas que ce soit que des paroles vaines, mais j'aimerais que nous ayons conscience de ces paroles et que nous disons, c'est pas que pour une soirée, mais c'est pour toute une vie. C'est vrai que la marche avec Christ, elle n'est pas évidente, mais qu'on se dise clairement, je veux le faire et Dieu va m'accompagner parce que il sait prendre soin de ses enfants. Comme la Bible dit que nous ne devons pas nous nourrir de pain seulement, mais nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous allons prier afin que nos cœurs puissent être sensibles et disposés à recevoir cette part. Que cette soirée puisse être
Je dirais que cette soirée, elle est particulière. Elle va encore plus nous impacter que celle d'hier. Et vraiment que nous puissions être sensibles. Élevons nos voix, prions vraiment pour la guérison de nos cœurs en cette soirée. Père éternel, te recommandons nos cœurs au Père éternel. Nous voulons que je puisse sortir de ton temps, Seigneur, au Père, de recevoir de recevoir dans cette soirée au Père éternel. Nous, Seigneur, Viens nous recharger, Père, que ce qui était vide, que par la parole de ce soir, qui soit rechargé au nom de Jésus. Nous faire du bien au travers de ta parole, au Père éternel. Amen. Tu nous fais énormément de bien. Amen. On va élever la voix pour le prophète. On va demander à Dieu d'équiper son serviteur une fois de plus pour cette soirée. Que Dieu bénisse son serviteur, lui qui a pu disposer de son temps pour venir relâcher sur nous la parole que Dieu a déposée sur la table de son cœur afin que son peuple puisse être édifié. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de bénir son serviteur vraiment qu'il le conduise tout au long de cette soirée afin qu'il puisse être un canal de bénédiction pour nous. Élevons nos voix. Père éternel, nous te prions, te recommandons pour le serviteur, au Père. Te disons merci, Père. Père éternel, nous disons merci. Te recommandons pour le serviteur, au Père. Te disons merci. Afin que toi, au Père, tu puisses te servir une fois de plus. Nous croyons, Seigneur, que nous avons béni la vie de ton serviteur.
vie, Seigneur, à la on est comme des Amen. Alors, est-ce que le peuple de Dieu est prêt à accueillir le prophète? Donc, nous allons mettre des flammes, nous allons applaudir et on va laisser la place à cet homme de Dieu qui va encore nous bénir. Et vraiment que le Seigneur nous fasse du bien et que le Seigneur nous comble. On va laisser la place au prophète. Amen. 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 Donc, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Amen. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. J'espère que les choses se passent bien. Amen. 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 D'accord. Alors, qui peut nous rappeler ce qu'on avait dit hier, avant que je ne commence? Juste quelques phrases. Au fait, quelqu'un a levé la main, la sœur Samantha. Oui, vas-y, vas-y. Complète son micro. Inuité. On sait à personne, c'est pas grave. Bon, donc hier, pardon, aujourd'hui j'aurais du mal à mettre ma caméra. Ma caméra, il fait très 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 froid, donc je suis dans une. J'ai mis ma couette au-dessus de moi. Comprenez-moi un peu. Je suis dans une ville où il fait très froid. La ville de Fès, une ville où il fait très 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 froid. La ville de Fès. Donc, je vous salue tous. Alors, avant de commencer, l'Esprit de Dieu a insisté, avant de commencer, je libère quelques paroles. Pas le Seigneur a vraiment insisté. Alors, quelqu'un a levé sa main? Oui, oui, okay. Concernant ce qu'on a vu hier. Oui. Du coup, hier, on a parlé de deux types de ciel. Le ciel visible que nous voyons qui s'appelle Shamaïm. Et Uranus qui est le ciel dans lequel le Seigneur siège avec son armée. Et c'est dans ce ciel que se trouvent nos grâces et nos bénédictions. Et on avait aussi dit que la désobéissance peut occasionner la fermeture de notre Uranus. Le péché et l'ignorance ou l'oubli de ce que Dieu nous dit peut aussi occasionner la fermeture du ciel dans notre vie. Voilà un peu. C'est plus Eunice. Oui. C'est de la même lancée que je voulais parler aussi. Je voulais parler de la désobéissance. Je voulais parler aussi du fait qu'on oublie les promesses de Dieu sur notre vie. Et le manque de sensibilité. Le manque de sensibilité, on a parlé aussi à la voix de Dieu. Et voilà, c'est dans le même sens que je voulais parler. D'accord, je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, que Dieu vous bénisse tous.
Alors, avant de commencer, nous allons vraiment parler des types de prières qui ouvrent le ciel. Et pendant la nuit, le Seigneur m'avait parlé de certaines personnes. Et j'entendais le nom Sandre. J'entendais Sandre. Et le Seigneur me parlait. Je ne sais pas si quelqu'un connaît une personne qui s'appelle Sandra. On a une seule. Ici. Comment? On a une Sandra ici. On a une Sandra ici? Normalement. Waouh. Ok. Sandra Nomel, est-ce que elle peut, la sœur Sandra Nomel, est-ce qu'elle peut se manifester? Oui, je suis là. Okay. Comment ça va? Tu vas bien? Oui, ça va bien. Merci à vous. Oui, très bien. En tout cas, je ne savais pas qu'elle venait de Sandra. Et le Seigneur m'a demandé de libérer des paroles sur David. Je ne sais pas, mais sache une chose, que tout ce que tu as demandé à Dieu depuis longtemps, tu vas commencer à les vivre à partir de 2020. Amen. Tout ce que tu as demandé que tu n'as jamais eu, Dieu te le donne cette année. Amen. Tout. Tout, tout. Dieu va te restaurer comme pas possible. Oh. Amen. Tu vas une restauration venir vers toi. Amen. Est-ce que tu as eu une pensée de jeûner récemment? Oui. N'est-ce pas? Oui, oui, j'ai une pensée de faire. J'ai une pensée de jeûner parce que Dieu est en train de me dire que, en fait, l'ange de l'Éternel vient te souffler ce désir de pouvoir jeûner, parce qu'au travers de ce jeûne, ton ciel va souffler. Cet ange est bloqué. Pourquoi? Parce que il attend que tu jeûnes, que ton esprit monte spirituellement, et il viendra pour te restaurer. Il faut prendre ce temps de jeûne. C'est Dieu qui est en train de mettre ça dans ton cœur pour que tu puisses jeûner, parce que ce qui va se passer après, ça sera extraordinaire. Ok. Amen. Je sais que quand toi tu jeûnes, tu ne t'amuses pas. C'est là que tu prends du temps pour jeûner. Mais quand tu entres dans un temps de jeûne, tu n'es pas éparpillé, tu es très concentré. Mm-hmm. N'est-ce pas? Oui, oui. Dieu est avec toi. Vas-y, fais-le. Ça sera comme une petite retraite. Mais au sortir de là, Dieu va te nourrir. Dieu va te bénir comme pas possible. L'ange de l'Éternel viendra te visiter. Okay. Je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ta vie, tu es marié ou pas, je vois ce domaine aussi être décanté. Amen. Et n'aie pas peur, parce que quand tu vas entrer dans ce lien-là, Dieu te donnera des enfants. Il ne faut jamais avoir peur. Okay? Okay. La stérilité n'aura jamais raison de toi. Amen. Impossible. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Reçois ses paroles, entre dans l'intimité et la visitation sera très forte. Amen. Il faut toujours avoir ta Bible à côté. Tu as une Bible noire, non? Oui, j'ai une Bible. C'est noir? Non, elle est rouge. Rouge? Oui, rouge bordeaux. Je vais t'utiliser pour la Bible ce jour-ci. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur est avec toi. Continue à jeûner. Fais ces jeûnes-là. Au sortir de là, Dieu va te visiter. À part la sœur Sandra, j'ai entendu... je voyais quelqu'un qui est dans le corps médical. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le corps médical? Est-ce que tu connais une personne qui est dans le corps médical? Infirmière ou, je sais pas, anesthésiste, docteur? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? On a dit qu'il n'était pas encore connecté. Comment? Le frère Jacques-Marie, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté? Oui. Il est en Europe ou il est en Afrique? Il est au Maroc. Il est au Maroc. Parce que j'étais en train de voir le Seigneur lui faire une grâce, d'aller continuer les études et travailler à l'étranger. Je voyais la France, je voyais la Suisse. D'accord. Amen. Amen. Il faut lui dire ça. Je vois le Seigneur ouvrir les portes
Je voyais qu'il travaillait en France, mais il avait fini en Suisse. Donc, il ne faut pas oublier de lui rapporter le message de la part du Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, nous allons libérer les paroles que Dieu mettra dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler des fracas. Nous sommes en train de parler de notre sous-thème qui est les types de prières qui ouvrent le ciel. Vous savez, aujourd'hui, je disais que ce que Dieu nous a transmis comme connaissance, comme révélation, nous sommes amenés à vous le transmettre. Il n'est pas normal de passer par une épreuve que Dieu décide de te visiter, que toi, en tant que serviteur, que tu les gardes ou que tu les caches pour toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il est important pour nous de pouvoir partager les expériences que Dieu nous a par lesquelles Dieu nous a fait passer. Les victoires qu'on a remportées avec le Seigneur. Alors, les types de prières qui ouvre le ciel. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Parce que nous allons parler. Les types de prières qui ouvrent le ciel. On va en parler ce soir. Il y a un prophète qui a l'habitude de dire, on va se montrer les choses. On va ouvrir le rouleau. On va ouvrir le rouleau et beaucoup, beaucoup de choses cachées seront révélées. Mais un secret, vous savez, lorsqu'on partage ce genre de message, il faudrait prendre, en fait, ce temps et continuer avec, peut-être une semaine ou deux semaines, continuer à prier. Parce que c'est avec insistance que l'on obtient exaucement. Il ne faut pas seulement faire cette prière aujourd'hui. Ces prières que je vais donner, ce n'est pas forcément pour aujourd'hui, c'est pour un temps. Les intimes du Seigneur doivent prendre cela, continuer avec jusqu'à la fin. Pendant deux semaines ou une semaine, tu continues la prière. C'est ceux qui insistent qui obtiennent l'exaucement. Alors, les types de prières qui ouvrent le ciel, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Qu'est-ce qu'on doit d'abord commencer à comprendre? C'est que, il y a des types de prières qui ferment le ciel. Et pendant que je préparais ce moment, le Seigneur m'a donné une définition. Mais avant tout, on va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Le chapitre 1. Okay. Verset 9. Au verset 12. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 au verset 12. Quelqu'un peut lire pour moi. Pour nous. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. On peut s'arrêter là. Qui a compris déjà? Qui connaît l'histoire de Anne? Aujourd'hui, on va un peu interagir, ça me fera du bien. Qui connaît l'histoire de Anne? Anne était stérile, n'est-ce pas? Oui, prophète. Elle était stérile. Alors, lorsqu'on suit l'histoire, on se rend compte que Anne était mortifiée par Pénina. Mm-hmm. Anne a fait tout ce qu'elle voulait. Elle voulait prouver à Pénina. Et aussi, un jour, quand elle aura des enfants, elle va prouver à Pénina. Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Le prophète, comment on l'appelle? Le sacrificateur Élie était rejeté.
il était rejeté. Et Dieu avait besoin d'un nouveau sacrificateur. Et Dieu cherchait un ventre dans lequel l'Esprit de l'Éternel va entrer pour répondre à un besoin céleste. Donc, les prières là, qui ouvrent le ciel, sont des prières, en fait, dans lesquelles Dieu a un intérêt. Le Amen. Ciel a un intérêt d'abord. Amen. Ce ne sont pas des prières qui répondent à tes intérêts, à toi, à nos intérêts, à nous. Mm-hmm. Le ciel doit trouver son intérêt. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent, voilà, surtout nous, les chrétiens, là, hein, ils m'ont trop fait souffrir. Quand Dieu va me bénir avec ma Ferrari, ils vont voir le ciel te le donne. Ils prennent les iPhones comme qu'on a, comment on appelle, comme Laurent Gbagbo. Une prière qui ouvre le ciel, c'est une prière dans laquelle Dieu trouve son intérêt dedans. Quand il n'y a pas son intérêt, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. N'attends pas que Dieu te donne le mariage parce que derrière, tu veux prouver aux gens que toi aussi tu t'es marié. Avec un joli costume, avec une jolie robe. N'attends pas que Dieu te donne des millions alors que dans ton cœur, tu dis que tu veux prouver aux gens que tu es orgueilleux. Dieu ne le fera pas. Quand Anne a compris qui, vous savez, quand on veut voir le ciel s'ouvrir, regardez ce qui s'est passé avec Anne. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il faut avoir la révélation pour comprendre ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut dans ta prière là. Et quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, tu diras des choses que Dieu ne t'a pas dit, alors c'est ce qu'il voulait. Dieu avait besoin d'un ventre, le ventre d'une femme, pour faire naître un nouveau sacrificateur, un nouveau prophète. Parce que le sacrificateur et ses enfants, pour finir et finir, étaient déjà rejetés. Qu'est-ce que Dieu va gagner si toi aujourd'hui, tu lui demandes d'ouvrir le ciel sur ta tête? Qu'est-ce que Dieu va gagner derrière? Oui, aujourd'hui, tu veux un grand ministère. Oui, mais qu'est-ce que Dieu va gagner derrière? Quelles sont les âmes qui seront gagnées à Christ? Est-ce que tu veux avoir un ministère pour passer sur YouTube, pour passer sur TikTok, pour qu'on parle de toi sur Facebook, ou une notoriété? Ou tu voudrais avoir un ministère qui fait profiter au royaume des cieux? C'est ça. Regardez, pendant tout ce temps, Anne priait le Seigneur. Anne cherchait Dieu. La Bible dit qu'elle allait au temple chaque année pratiquement. Elle n'a jamais eu d'enfant. Mais quand elle a compris au travers de la révélation poussée par le Saint-Esprit, elle a dit, non, Seigneur, si tu me donnes un mal, voici ça, je peux le consacrer. Et c'est là que le ciel s'est ouvert sur sa tête. Et elle a eu aussi sept enfants après. Parce qu'elle a loué le Seigneur, elle a dit, Seigneur, c'est toi qui fais enfanter la stérile sept fois. Amen. Quand Dieu n'a pas d'intérêt, il faut oublier. Mm-hmm. Oublier. Et elle a consacré cet enfant. Amen. Tu veux un travail, Amen. D'accord. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'enfant, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. D'accord, mais... Tu dois avoir des enfants, pourquoi? Pour pouvoir ta famille, et toi aussi tu tombes enceinte. Ou tu veux consacrer, ou bien Dieu est en train de chercher un prophète, Dieu est en train de chercher un président de la République chrétienne. Dieu est en train de chercher une femme qui va servir l'Éternel. Lorsqu'on comprend ces choses, que c'est d'abord l'intérêt de Dieu, on fait une prière simple et Dieu réagit. Le ciel s'ouvre sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça? Amen. Ah, vous les élèves, peut-être parmi vous, il y a des étudiants. Tu veux avoir le diplôme pour faire quoi? Pour avoir un CV garni? Ou bien qu'au travers de ton travail et beaucoup soient gagnés à Christ? C'est ça la question qu'on se pose ce soir.
Donc, c'est ça, le premier point. Le second point, c'est aussi très, très important. Nous allons prendre le livre de Juge. Alors, Juge, chapitre 16, le verset 25 jusqu'au verset 30. Juge, chapitre 16, du verset 25 au verset 30. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laissez-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Amen. Le sel de Samson était fermé. Le sel de sa force était fermé. Alors, au travers de ce passage, il aurait dit qu'il y a une prière qu'on appelle la prière de repentance qui couvre le ciel. La prière de la repentance couvre le ciel. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui vivent dans la culpabilité. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la culpabilité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a commis un péché, il a volé de l'argent, il a menti, il a vécu dans, il vivait dans la fornication, il a fait avorter beaucoup de femmes, et puis il s'est dit, hey, Seigneur, c'est fini pour moi. Et mon frère, ma sœur, tant que tu es vivant, si ton ciel était fermé à cause de tes erreurs, tu peux te repentir. Amen. Va faire quelque chose. Prouver à tes ennemis. Il est capable d'ouvrir ton ciel lorsque tu te réponds. Pas en même temps à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as commis comme péché. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, réponds-toi et le ciel va s'ouvrir. Dieu n'a pas exaucé Samson demain. Amen. Le jour après. Il n'a pas exaucé Samson après une semaine. C'était le même jour. Yes. Parce que la repentance était sincère. Dieu a ouvert le ciel. Amen. Je suis désolé. J'ai toujours l'habitude de le dire. S'il y a des êtres que Dieu n'aime pas, ce sont les démons. Nous, les hommes, là, les humains, Dieu nous aime. Parce qu'il a abandonné son trône pour descendre sur terre. Amen. Quand un ange a péché, Dieu l'a précipité. Mais nous, quand on a péché, lui s'est précipité pour aller à la croix. Pour simplement dire ceci. Même si ton ciel était fermé à cause peut-être d'un péché ou abomination, je ne sais pas moi quoi. Réponds-toi parce que Dieu est pressé de venir traiter avec toi aujourd'hui et ne t'exauce pas demain. Ton ciel s'ouvre aujourd'hui. Amen. Demain. Dieu avait beaucoup investi dans la vie de Samson et il ne pouvait pas quand même l'humilier comme ça. Quand même. Il a parlé de Samson avant sa naissance à ses parents. Ses parents ont offert un sacrifice. À l'ange de l'Éternel qui dit qu'il s'appelait merveilleux. Il va s'en aller comme ça parce qu'il a péché. La repentance ouvre le ciel. Bien-aimé,
Répondons-nous de ce qu'on a commis comme péché. Et nous, ça ouvre le ciel. Sortez de la culpabilité. Sortez de là. C'est le diable qui vient nous culpabiliser. Lui, là, son sort est scellé. Il ira en enfer et se sceller. Nous, on a le choix. Alors, la prière de la repentance, ça ouvre le ciel. Dieu nous aime. Amen. Ah oui, Dieu aime les hommes. Amen. Et Dieu aime les humains comme pas possible. Amen. Ah oui. Donc, la prière de la repentance ouvre le ciel. Lève-toi, réponds-toi, ne retourne plus aux choses que tu as vomies, et Dieu va ouvrir le ciel. Pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une autre qui accompagne ça. C'est en fait quand Jésus-Christ était allé à la croix. Lui, il ne s'est pas repenti, mais il a pardonné. Ah oui. Le ciel s'ouvrira lorsque tu pardonneras ceux qui t'ont offensé. Quand Jésus-Christ a pardonné, il nous a pardonné au ciel, sur la croix, pardon, le ciel s'est ouvert. Le ciel Amen. Était ouvert. Amen. Après 50 jours, Saint-Esprit est descendu. Je voudrais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit va encore descendre sur toi lorsque tu vas pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Amen. 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 Alors, beaucoup de chrétiens ne savent pas pardonner. Ils ne pardonnent pas. Elle ne pardonne pas. Il m'a fait du mal. C'est lui qui doit me demander pardon. La Bible dit, lorsque tu as un problème avec un frère, avant de déposer l'offrande sur lequel, va et va. Amen. Amen. Ça, c'est moi, ça. Arrêtons de garder rancune. Libérons les gens. En tout cas, la Bible dit libérer les captifs. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la prison, ceux qui sont dans des prisons spirituelles, ceux qui sont prisonniers. C'est aussi libérer ceux qui sont dans le cœur. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit ou celle qui a le Saint-Esprit doit savoir pardonner. Amen. Jésus-Christ à la croix, il nous a pardonné. Et le ciel s'est ouvert 50 jours après. Et après, il y a eu la porte de cause. Si tu veux voir ton ciel s'ouvrir, le Saint-Esprit, Dieu t'utilise encore puissamment, apprends à pardonner. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je vous assure. Même moi qui vous parle, j'ai été beaucoup blessé. Même avant de me connecter ici, quelqu'un m'a fait Amen. Mal. J'ai pardonné. Amen. 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 C'est ça. Donc, la repentance, elle est réparée avec Dieu. Elle est réparée avec notre Seigneur et aussi pardonnée à ceux-là qui nous ont offensés. Même la Bible dit, quand Jésus dit, lorsque vous priez, dites quoi, notre Père et nos cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et la même manière que Jésus nous a pardonné à la croix, nous aussi nous devons pardonner à ceux-là qui nous ont fait du mal. Vous voyez? N'attendons pas que ces personnes viennent vers nous, mais pardonnons déjà dans le cœur. C'est là que le ciel s'ouvre. Donc on a dit, la prière qui ouvre le ciel, c'est cette prière dans laquelle Dieu trouve son intérêt. Prenons encore un passage, je voudrais qu'avant de passer, on va lire ce passage. C'est dans Juges, le chapitre 11, du verset 29, jusqu'au verset 31. Jusqu'au verset 31. Dans Juges 11, 29, 31. Ils ont la parole du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephté. Il traversa Galad et Manassé. Puis il passa
à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephté fit un vœu à l'Éternel. Il dit, « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephté marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. Amen. Amen. Alors, si c'est une prière très puissante, mais je conseillerais d'être sage et d'être de veiller, de faire très attention à ces gens de Dieu. Ce sont les vœux. Anne aussi a fait la même chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous savez, quand on fait le vœu là, Dieu intervient puissamment. Parce que c'est qu'il y a sur les graines. Les prières qui sont faites avec lui. Il faut faire très attention parce qu'il faut honorer le vœu. Sinon, ça va se retourner contre toi. C'est-à-dire, si tu demandes au Seigneur quelque chose, voici ce que je ferai si tu me le donnes. Là, il faut honorer. Mais ça, il faut faire très attention. C'est une prière très ultime, une prière que Dieu exauce comme pas possible, mais faites très attention si vous voulez le faire. Il faut honorer le vœu. On n'en parle pas beaucoup, hein, parce que les gens disent non, on va faire le vœu parce que c'est non, c'est une prière qui est aussi recommandée. Le vœu, prière avec Dieu. Dieu doit trouver son intérêt dedans. Dieu exauce ça. Dieu exauce, j'ai fait. Il a livré entre ses mains les Philistins, les Ammonites, pardon. C'est ça. Vous voyez? Donc, on a dit les prières de repentance. On a dit, pardonnons aussi le prochain, notre prochain. On a dit la prière qui est faite avec Dieu. Et là, on va avancer. Alors, il y a ce type de prière qu'on appelle la prière d'action des grâces. Et on reprend Jean chapitre 11, verset 41 au verset 43. Jean chapitre 11, 41 à 42. Je suis au nom du Seigneur, Jean chapitre 11, versets 41 à 43. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors. » Amen. Amen. C'est la prière de l'action de grâce. C'est-à-dire rendre grâce à Dieu avant d'avoir ou avant de toucher ou de voir ce que tu cherches. L'action de grâce. Pour vous, les chrétiens, nous, on attend que Dieu et Dieu après qu'on va rendre grâce. Or, ça marche toujours et c'est important de rendre grâce à Dieu avant de voir son miracle. Jésus-Christ de Nazareth aussi, avant de multiplier le pain, il a fait quoi la Bible? Il le rendit grâce. Il le rendit grâce. C'est ce que nous devons faire aussi, nous, en tant que chrétiens. L'action de grâce est un acte de foi. Dieu ne t'a pas encore donné le travail, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà donné le travail. Amen. Tu n'as pas encore payé tes frais académiques, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait en sorte que ça soit payé. Amen. Tu n'as pas encore vu la guérison, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as guéri. Amen. L'action de grâce ouvre le ciel.
c'est aussi un acte de foi. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes toujours là. On vit toujours par la vue. On ne vit pas par la foi. On veut voir d'abord, comme Thomas, on veut d'abord toucher. Tant qu'on n'a pas encore touché, vraiment, l'action de grâce, le Seigneur, il faut attendre un peu. Attends. Le ciel s'ouvre lorsque nous rendons grâce avant les miracles. Ça s'ouvre. Jésus-Christ, vous avez vu, il a rendu grâce. Et puis, ouais, c'est aussi un secret pour les gens qui aiment le miracle de la résurrection. Ah oui, les gens qui aiment les miracles, voir la main de Dieu agir. Ça fait partie des secrets que je vous donne. Je rends d'abord grâce. Amen. Et quand tu rends grâce, quand tu disais à Dieu, ah, si tu n'agis pas, eh bien, ça sera compliqué ici. On va dénigrer ton nom. Et le Seigneur est contraint d'agir. Seigneur, je te rends grâce parce que, avant de voir, je suis convaincu, j'ai la foi, la ferme assurance que tu me l'as déjà donné. Seigneur, tu veux peut-être voir agir, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai déjà mangé. Je te bénis, Seigneur, parce que j'ai déjà ce que tu m'as donné. J'ai déjà touché, j'ai déjà palpé. C'est ça l'action des grâces. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Après ça, nous allons faire une prière que Dieu m'avait donnée et j'ai remporté des victoires. Ça s'appelle la prière de l'Alliance. On va voir ça juste après. Vous savez, nos grands-parents, tous les Africains, ont eu à faire des alliances, à tisser des alliances avec les esprits des eaux, les esprits de la terre, les esprits des forêts, les esprits de l'air. Voilà pourquoi certaines familles sont dans le combat. Et Dieu, pour décanter ces décisions, mais pour nous faire sortir de là, nous aussi, en tant que chrétiens, on va faire une prière d'alliance avec le Dieu de la vie. On va voir ça tout à l'heure. Mais avant ça, nous allons prendre notre Bible, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, du verset 3 au verset 6. C'est l'avant-dernière prière. Il y en a beaucoup, hein. On va justement focaliser sur ça. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 3 au verset 6. Actes chapitre 10, c'est ça, hein? Mm-hmm. Ah ben, excusez-moi. Donc, tu peux commencer au verset 1. Au verset 1. Au verset 6, lisons la parole. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine, appelé cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte, répondit, qu'a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie les hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Arrête-toi là. Mais si tu peux lire la version 8 secondes. La version 8 secondes que tu liras, tu peux t'arrêter jusqu'au verset 6. Ça, c'est la version 8 secondes que j'ai lue. Ah bon, hein? C'est pas 8 secondes 21 que tu as. Je crois, hein. C'est pas grave. Anyway. Sinon, j'ai la version parole de vie, mais je n'ai que ces deux versions-là. C'est pas grave. Alors maintenant, en lisant ça, hein, amen, qu'est-ce qu'on comprend? Parce que ici, dans d'autres versions, on est de dire donc, on dit au monde. Mm-hmm. Tes prières et tes au monde sont montées vers nous.
Donc, il y a des prières. Le ciel s'ouvre là quand tu aides les autres. Amen. Le monde là, ce sont des aides. Amen. On dit qu'il faisait beaucoup de monde au peuple. Quand tu es chrétien, Dieu te donne de l'argent, tu as des moyens, tu ne veux pas aider les autres. Et tu attends que Dieu te visite financièrement. Tu attends que Dieu te visite. Tu comptes sur quoi? Compte sur quoi? Il y a certaines prières qui couvrent le ciel lorsque nous nous associons les aumônes, parfois même les dîmes et les offrandes. Après. Amen. Et je dis les chrétiens, vous savez, moi, souvent je ne fais plus ces débats. Les gens qui viennent, qui disent, bon, on doit plus donner la dîme. On doit plus donner la dîme. Papa, maman, si tu ne veux pas donner, c'est bon pour toi. Laisse-nous donner. Laissez-nous donner. Vous voulez qu'on fasse comme les occultistes qui donnent des dîmes à Satan, et ces dîmes-là, ce sont leurs fils aînés, ou leurs filles aînées, leurs cadets, on donne des sacrifices humains, on nous demande de donner un dixième. Où est le problème? Les chrétiens prient beaucoup, ils donnent peu. Beaucoup de prières. Je dis, comment c'est ça en fait? Beaucoup de prières, moins de mois. Beaucoup de prières, moins de femmes, moins de dîmes. Maman, la Bible dit que jusqu'à ce que je paraphrase, aussi longtemps que la terre se distra, on voit quoi? La sémence, la loi de la sémaille ne passera pas. Ça restera toujours là. Et je dis, beaucoup de chrétiens ont du mal à donner. Lorsqu'il faut donner la dîme, c'est un problème. Lorsqu'il faut faire des offrandes, c'est un problème. On doit courir derrière eux. Certains, le ciel s'ouvre lorsqu'aussi nous faisons, nous aidons les pauvres. Mais lorsqu'aussi nous contribuons à l'avancement de l'œuvre de Dieu avec nos biens, avec l'argent. C'est même une chose qu'on doit même parler. On ne doit plus prêcher ces choses. Ça doit être naturel. Vous savez, les païens là, ils sont sérieux hein, lorsqu'il faut. Surtout les occultistes et les sorcières. Ils sont sérieux lorsqu'il faut offrir au diable. Certains ont offert au diable leur virilité, leur fécondité pour avoir de l'argent. Nous, Dieu nous dit, et quand on te paye un petit saint, on enlève 10, aïe, c'est un problème. Et ils sont sérieux, ils offrent en sacrifice les humains, les membres de leur famille, pour recevoir pour recevoir la vanité. Nous, Dieu nous dit, papa, tu as un petit mille, enlève 100 dans nos seigneurs. Aide les pauvres, c'est encore pire. Les orphelins et les veuves, c'est encore pire. Or, la Bible dit, celui qui offre, aide un pauvre, prête à Dieu. C'est dans la vie. Quand tu aides un pauvre, tu prêtes à Dieu. Or, Dieu, on peut aller à Dieu. C'est devenu un débat dans l'Église, mais encore, la dîme, les offrandes, les aumônes, c'est devenu un problème. Non, quand on donne la dîme et les offrandes, les pasteurs prennent ça, ils bouffent ça. Aïe. Vu qu'on fasse comment, qu'on se lève, on jette ça dans le ciel. Seigneur, voici la dîme. Et on jette. Comme ça, un ange apparaît, il prend ça, il amène ça. Or, la Bible dit, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, c'est à moi que tu as. Tu dois aller. Donc, nous disons que les prières, ils sont accompagnées des aumônes, ils sont aussi accompagnées des dîmes et des offrandes ouvrent le ciel. Salomon a fait la même chose, vu la sagesse et la richesse. Surtout pour ceux qui sont dans le domaine du business, ceux qui travaillent, s'il vous plaît, soyons réglo dans nos vies, pour voir la main de Dieu agir. Que vont sécuriser nos finances, que vont multiplier nos finances. Soyons un Dieu dans les unités. C'est très important. Amen. 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 Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais qu'on échange un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va passer à la prière ultime. C'est la prière de la danse.
Il n'y a pas de question, non, c'est tout est clair. Tout est clair. Merci, prophète. Très clair. On a presque fini parce qu'on va prendre un petit temps de prière, mais je veux vous parler de la prière de l'Alliance. Prenons Psaume. Dans le passage, je crois que c'est le Psaume 114. Voilà, les psaumes, chapitre 60, verset 14. Je crois que c'est intéressant. Il va dire, vas-y. Quel verset, prophète? Verset 14. J'ai pas compris. C'était quoi qu'il fallait que je lise au verset 14? Le psaume. Le psaume. Psaume 60. Hein, psaume 60. Ok. Merci. Pardon, excusez-moi. Le psaume 60 au verset 14. Lisons la parole du Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. 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 Nous allons faire une prière d'amour. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et ça, c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Après ça, j'ai remporté des victoires sur les oppressions sataniques sur ma vie. C'était de la même manière. J'ai posé une question. Nous suivons ça souvent dans les films et tout. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne va voir un féticheur? Un féticheur. Comment ça se passe? Quand il entre, il voit le féticheur. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il se présente. N'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit? Oui, prophète. Cette personne se présente. Je m'appelle telle personne, telle personne, telle personne. Voici mon nom et tout. Je veux ça, ça, ça. Et c'est ce qui fait que, après, le pétitionnaire lui donne des interdits. C'est de la même manière aussi qu'il faut lui faire devant Dieu. Parce que lorsque cette personne se présente aux entités démoniaques, ils entrent directement en alliance. Je vais vous montrer avec la parole de Dieu, rapidement, pour aller le livre d'Hébreu. Enfin, nous allons apprendre les choses aujourd'hui. Alors, je vais le passage. Hébreu. Je te donne le passage, c'est un instant. Alors, je vais passer gentiment. Alors, c'est quelques secondes, il va voir le passage. Nous allons voir pourquoi on va faire cette prière d'alliance. Mm-hmm. Parce que Dieu, dans chaque famille, cherche quelqu'un avec lequel lui faire une alliance. Amen. Mais Dieu cherche des personnes avec lesquelles faire alliance pour que la lumière, pour que son royaume soit perpétué dans sa famille. Amen. Dans la nation. Vous allez vraiment voir ça. Ok. C'est presque le premier. Il y a deux du bois. Voilà.
Voilà. Aussi, Hébreux, chapitre 7, verset 9 au verset 10. Lisons la parole du Seigneur. Hébreux, chapitre 7, au verset 9. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Je continue? Arrête-toi là, maman. Tu as compris quelque chose. Abraham, quand il donnait la dîme à Melchisédek, Aaron était dans ses reins. Mais lorsqu'on lit dans le livre de Genèse, on ne voit pas Aaron. C'est quelqu'un qui comprend. Une alliance qui a été tissée avec Abraham a profité aussi à qui? À sa descendance. Amen. Ils ont tissé une alliance à vous. Ah, Seigneur. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, comme Abraham, qui était un simple berger, Dieu fera de toi un homme et une femme de guerre. Parce que Abraham était un berger, mais il a réussi à vaincre presque quatre rois. Yes. Quand tu fais alliance avec Dieu, ton ciel s'ouvre. Amen. Et puis, dans ton couple, il y avait la stérilité, Dieu te donne la fécondité, Dieu donne Isaac. Dieu rend ton nom grand lorsque tu fais alliance avec Dieu. Amen. Qui n'est pas en pas d'Abraham? Qui n'est pas en pas d'Abraham? La Bible l'appelle le père de la foi. Lorsque nous entrons en alliance avec Dieu, je vous assure, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a lu dans Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La prière de l'alliance que nous faisons avec Dieu fait en sorte que lui, le Seigneur, il nous donne du succès. Nous faisons des exploits dans tous les domaines de nos vies. Et il écrase nos ennemis. S'il y avait des questions sataniques, il les détruit. S'il y avait des liens de famille, le brise. L'alliance. Abraham va faire alliance avec Dieu au travers de Melchisédek qui représente Jésus. Il donne la dîme. Et en même temps, sa descendance Aaron a profité de cette alliance-là. Donc pour revenir à ce que je disais, les gens lorsqu'ils vont dans les féticheurs, ils se présentent. Et nous aujourd'hui, nous allons faire cette prière d'alliance. Nous allons nous présenter devant Dieu. Notre nom, tout le nom, prénom, nom, date de naissance. On va dire, Seigneur, moi je m'appelle tel. Je suis né en tel, tel, tel. Je viens faire une alliance avec toi. Pour briser, mettre fin aux conséquences des alliances de mes ancêtres. Moi je vais faire alliance avec toi. Pour que je fasse des exploits et que tu écrases mes ennemis. Cette alliance que je fais, c'est avec toute ma descendance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La prière de l'alliance. Nous allons nous présenter devant Dieu. Non, date de naissance. Et puis, même si on fait aujourd'hui, s'il vous plaît, après, je vous en supplie, continuez avec. Je ne sais pas, peut-être prenez une semaine, priez, demandez, faites cette prière d'ailleurs, vous allez voir les choses bouger dans votre vie. Parce que Dieu cherche une personne. Dans la maison de Terah, qui est père d'Abraham, Dieu cherchait à faire une alliance avec Abraham. Ils ont fait alliance. Abraham qui était un berger est devenu très riche. Abraham qui était pauvre est devenu très riche. Dieu l'a rendu prospère sur une terre étrangère. Parce qu'il a une alliance avec Dieu. Et ça a profité à toute sa descendance. La prière de l'alliance ouvre le ciel. Parce que là, tu entres automatiquement tu changes en fait, tu shiftes carrément. Tu entres en alliance avec Dieu, c'est terminé. Personne ne va te bouger. Regardez aujourd'hui.
Israël est en alliance avec quel pays actuellement? Les États-Unis. Amen. Vous voyez, un petit pays comme Israël aujourd'hui là, qui peut toucher Israël? Ils sont protégés par les États-Unis, la première puissance mondiale. Et c'est comme ça. Lorsque nous venons faire alliance avec Dieu, il y a des combats qu'on ne va plus mener. C'est lui qui s'en occupe. Et nous allons faire cette prière ce soir. Moi, j'ai terminé. Donc, on a dit, pour le Père, non, on a dit la prière du pardon, la prière de la repentance. On a dit une prière dans laquelle Dieu trouve son intérêt. On a dit des prières qui sont accompagnées des aumônes. On a dit des prières qui sont des prières qui se font par action de grâce, c'est-à-dire poser un acte de foi avant de voir le miracle. On a dit aussi la prière de l'alliance. C'est passé à des questions parce que tout à l'heure nous avons prié. Et après, je vais remettre la parole à la personne concernée. Est-ce qu'il y a des questions? On peut aller? On peut y aller, prophète. D'accord, on va prier. D'abord, on va rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'on a passé dans la parole. Nous allons le bénir, nous allons rendre grâce après et vous montrer comment on va faire. Vraiment, vous allez justement répéter après moi. Donc, rendons grâce à Dieu. Nous prions pour Dieu, nous te bénissons pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Merci pour la parole. Cette parole change nos vies, Père, parce que ta parole est accompagnée de puissance, Père éternel. Nous soyons des personnes différentes, Père éternel, à partir de aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons faire cette prière. Amen. Donc, tisser une alliance éternelle avec Dieu, le Dieu de la vie.
La prière, quelque chose va se passer aujourd'hui. Donc, tu vas te présenter. Donc, nous allons dire, tu vas citer ton nom, tu vas citer la date de naissance. La date de naissance. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me présente devant ton trône d'alliance. Je réponds au nom, je donne ton nom, je réponds au nom des chancilles. Je réponds au nom de la chancilles. Je deviens faire alliance avec toi, Jésus-Christ. Alliance avec mon corps, mon âme et mon esprit. Alliance avec mon corps, mon âme, mon esprit. Alliance avec mon nom. Alliance avec mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, que ça puisse marquer, Seigneur, cette alliance. Qu'aujourd'hui, nous marquons, je marque une alliance avec toi. Aujourd'hui. En vertu de la parole de Dieu dans le psaume 60, le verset 14, avec toi, Seigneur, à partir de aujourd'hui, je fais des exploits et tu écrases mes ennemis. En vertu de la parole de Dieu dans le psaume 60, le psaume 60, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je fais cette alliance en même temps pour mes enfants, une alliance générationnelle. Pour ma famille, plusieurs générations. Au nom de Jésus-Christ. Papa, au travers de cette alliance, que mon sang devienne ton sang à toi. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a des réclamations, là où il y a des maladies dans mon sang, Seigneur, ça me quitte parce que je fais alliance avec même mon sang, Seigneur. Mon âme t'appartient, Jésus-Christ. Mon esprit aussi t'appartient au nom de Jésus. Au travers cette alliance, je brise toute alliance du côté paternel, toute alliance satanique du côté paternel et maternel. Côté maternel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est scellé dans le sang de l'agneau, cette alliance. C'est scellé dans le sang de cette alliance. Aujourd'hui et pour la vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Là, je vais prier. Père éternel, tu as entendu ton peuple. Aujourd'hui, ton peuple a décidé d'entrer en alliance avec toi, Père. De la même manière que la parole de Dieu dans les lieux, qu'avec Dieu, nous ferons les espoirs et nous écraserons tes ennemis. Papa, là où il y avait l'échec dans leur vie, dans quelconque aspect de leur vie, tu leur donnes la victoire, qu'ils fassent des exploits au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des combats sataniques, des réclamations sataniques contre tes enfants, aujourd'hui, comme tu as dit, tu écraseras nos ennemis. Père, écrase les ennemis de tout un chacun. Que leur nom soit. Qu'aucun esprit ne vienne nous déranger au nom de Jésus-Christ. Amen. Ni des femmes, ni des maris de nous, ni des esprits de mort, ni des esprits de mort. Dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui est en alliance avec toi, Seigneur, il donne à Dieu le droit légal d'opérer dans sa vie et il donne au diable l'illégalité. Maintenant, le diable est illégal dans leur vie. Les réclamations de la sorcellerie, les réclamations sataniques dans leur vie, c'est illégal.
Des réclamations contre leur santé, contre leur futur mariage, contre leur succès, papa, ça s'arrête now. Ça s'arrête maintenant. Parce que personne ne peut être en alliance avec toi et vivre des échecs, Père. C'est ce soir, au nom de Jésus-Christ, que ton peuple est encore en alliance avec toi, qu'il vive des exploits, que les combats qu'il est fatigué, que les combats qu'il est malmené, ça s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Dans leur sang, Père éternel, là où il y a des liens de la sorcellerie, côté papa, côté maman, ces liens sont brisés. Amen. C'est dans le sang de Jésus-Christ qui entre dans leur sang, dans leur âme, même dans leur esprit, afin que personne ne vienne les réclamer. Amen. Papa, je te rends grâce, je te bénis parce que tu nous as exaucés. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié pour l'éternité. Et nous disons Amen. 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 Donc, on a fini, je vais laisser la parole à l'ami. Je ne sais pas si l'homme de Dieu est là, l'apôtre est là. Oui, je suis là. C'est la modératrice de reprendre la parole. Merci, homme de Dieu. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Nous allons acclamer pour la vie de son serviteur en cette soirée. Nous allons acclamer parce que Dieu nous a encore fait du bien. Et nous avons été bénis par la même occasion. Nous te disons merci, homme de Dieu, pour cet enseignement, Amen. Cet enseignement qui nous a touchés. Merci pour ces prières qui nous ont permis de bâtir une alliance avec Christ et de renouveler Amen. Cette alliance. Nous te disons merci, nous bénissons Dieu pour ta vie. Merci d'être un canal de bénédiction pour nous. Merci parce que au travers de ta vie en cette soirée, Dieu nous a rappelé et nous a ramené à l'ordre. Et Amen. Je prie que nous puissions aider ta voix et que nous puissions prier pour son serviteur qui nous a bénis ce soir, priant. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Merci, Seigneur, pour la vie de ton serviteur, parce que toi, tu n'as pas choisi en nous. Et pour cela, nous te disons, recommandons ta vie, tu le connais mieux que ce temps, papa. Tu as formé des projets de bonheur et nous prions pour cette soirée. De la même manière, au Père, que nous avons bâti notre alliance avec toi, que toi, Seigneur, que tu bâtis notre alliance avec toi. Et que tu l'emmènes encore plus loin, Père. Que tu l'emmènes encore plus loin, Seigneur, et que son ministère s'étende, Papa. Je te recommande la vie et nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que toi, tu l'as utilisé ce soir. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à l'utiliser pour nous. Afin, Seigneur, que ton nom puisse être élevé et que ton nom puisse être élevé dans la terre entière. Que ton serviteur puisse être un canal de bénédiction, non pas que pour nous, mais pour plusieurs personnes. Merci, Seigneur, pour ta Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci, Seigneur, pour tes moments. Nous te disons merci, Papa, parce que toi, tu nous as donné cette bonne nourriture, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est libre ce soir? Amen. Et si quelqu'un croit qu'il est libre ce soir, j'ai une chanson qui vient accompagner le fait d'être libre. La chanson dit Amen. Je suis libre. Je suis libre. Pour l'adorer. Il a effacé ma condamnation. Libre. En y chantant ensemble parce que je pense que Dieu nous a fait du bien. Je ne sais pas vous, mais je sens que mon cœur est en paix. Je me sens en sécurité parce que je sais que, comme on dit, Yaya Fandina Kichi Nabukundinae, il est assis sur son trône de gloire. Et je sens que ce Dieu-là, il nous a libérés. Il a effacé ma condamnation. Il a effacé nos condamnations. Il nous a rendus libres.
À la croix, Jésus a payé le prix pour que nous nous mettions. Et nous reconnaissons que nous sommes libres, non pas pour faire ce que nous nous voulons, mais nous sommes libres pour faire ce que Dieu veut et attend de nous. Voilà pourquoi nous disons, oui Seigneur, nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres pour faire les choses à notre guise, mais nous sommes libres pour t'adorer. Nous sommes libres pour te célébrer. Nous sommes libres pour t'honorer. Toi, tu as effacé toutes les ordonnances qui pouvaient nous condamner. Papa, nous sommes libres parce que toi, tu l'as voulu. Nous sommes libres parce que toi, tu as déchiré le voile. Tu as tout accompli à la croix. C'est pour cela que, Papa, en cette soirée, nous venons devant toi pour te dire oui, nous sommes libres. Nous sommes libres, Seigneur. Nous sommes libres, Papa. Merci pour cette liberté. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous as délivrés. Merci, Seigneur, parce que toi, tu oui, Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves, Papa. Tout est accompli, il n'y a plus de condamnation. Tout est accompli, vive toi. Seigneur, ta parole est vérité. La croix de la vérité. Vérité. Oui, dans ma vie, elle est vérité. Amen. La parole est vérité. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, il n'y a plus de condamnation, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, il n'y a plus de condamnation, tout est accompli. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci, Seigneur. Parce que toi, tu as fait. Tu nous as rendus libres pour t'adorer. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. 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 Nous allons passer au temps des offrandes que ceux qui ont apporté dans la maison de Dieu donnent en toute libéralité. Parce que ce Dieu-là, c'est nous faire du bien. Le prophète nous a parlé des sémences, il nous a parlé des actions de grâce. Et il faut rendre grâce à Dieu parce que ce Dieu-là, c'est nous faire du bien. Parce qu'il sait nous libérer de la captivité, il sait nous libérer des oppressions, il sait nous rendre libres. Et donner aussi, c'est une façon de témoigner son amour à Dieu et de lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Donc, que chacun donne comme il veut, comme il peut, qu'il se sente libre. Et que celui qui n'a pas aussi de quoi apporter, qui ne se sente pas coupable, mais qui se dise tout simplement, Seigneur, je déclare en cette soirée que le Père que nous prions, qu'il bénisse nos finances à tous, à tout un chacun, afin que nous puissions être capables d'apporter dans sa maison, pas seulement aujourd'hui, mais dans les prochains jours. Parce que nous savons que c'est un Dieu qui pourvoit et il va nous bénir, qu'il nous donne pour que nous puissions être capables d'apporter. Vraiment que celui qui veut donner se sente libre de le faire et celui qui n'a pas aussi, qui ne culpabilise pas. Mais je crois que la prochaine fois, Dieu l'aidera à avoir. Que vraiment, que nos greniers ne puissent pas être qu'il nous remplisse et qu'il nous donne en abondance. Mais en cette soirée, ce que j'aimerais, c'est que vraiment que Dieu nous donne un cœur obéissant, et qu'il nous rende sensible à sa voix, afin que nous puissions être capables de discerner ce que Dieu veut de nous et qu'il nous donne ce cœur rempli d'amour, qu'il nous donne ce cœur plein d'amour, parce que quand on est capable d'aimer, on est capable de pardonner. Sans amour, on a la difficulté de pardonner. Vraiment, nous prions qu'en cette soirée, que vraiment que cette parole-là,
que son serviteur a libéré, qu'elle ne se pose pas sur des terres infertiles, que quelqu'un refuse d'être une terre infertile ce soir et qu'il dise, dites avec moi, moi je suis une terre fertile. Amen. Et si tu penses que tu es une terre fertile, c'est que cet enseignement va impacter ma vie et que je refuse de rester dans mes anciennes habitudes parce que je veux m'obstiner, mais j'accepte de me laisser transformer et j'accepte que cette parole puisse prendre portée du fruit parce que je ne suis pas une terre infertile. Et je pense que nous avons passé des bons moments dans la présence de Dieu et j'aimerais que tout cet enseignement, que ça n'aille pas dans nos oubliettes, que la fin de ces moments ne puisse pas être la fin de la présence de Dieu dans nos vies, mais que la fin de ces moments nous pose, nous pousse vraiment à nous remettre en question. Je ne sais pas pour vous, mais on peut prendre un cahier, ça peut nous aider aussi. On prend un cahier, on écrit, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que je crois que c'est dans le livre de Proverbes 25, 2, la Bible dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Attendez, je vais le lire. Proverbe 25, 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et donc, du coup, ce qu'on peut comprendre, c'est que nous devons demander à Dieu de nous rendre capables de trouver et de savoir ce que nous devons faire. Et il nous a donné la capacité de le faire parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Et donc, j'aimerais demander à quelqu'un de prendre un cahier, dans son cahier, d'écrire en fait, de se dire, qu'est-ce que je dois changer? Au travers de l'enseignement que j'ai pu recevoir ce soir, qu'est-ce que je dois faire? À qui j'ai gardé captif dans mon cœur? Maintenant que j'ai fait cette prière où j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a rendu libre, moi aussi je prie pour que Dieu puisse me pardonner, qu'il pardonne tout ce que vraiment j'ai fait de pas bon, et qu'au travers de moi, que moi aussi je puisse pardonner aux gens qui m'ont fait du mal. Que vraiment, que... En écrivant, c'est aussi une façon de renoncer. Et en écrivant aussi, quand je renonce, Dieu aussi peut nous parler. Dieu nous parle de plusieurs manières. Et demandons vraiment d'être sensible à ce que Dieu nous dit. Parce que du coup, ça va permettre à ce que notre être puisse être transformé et que cet enseignement s'asseye au-dedans de nous. Parce que ce serait dommage, en fait, que cet enseignement... qu'on l'ait juste écouté aujourd'hui et que demain qu'on passe à autre chose. Mais le but, c'est vraiment que ça impacte notre vie, mais pour tout notre voyage sur terre. Donc, nous allons élever la voix, nous allons prier pour la fin. Père, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ces moments. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que toi, tu as permis que nous soyons là. Merci, Père, parce que toi, tu as fait et tu... Nous voulons, Père, que ta parole s'asseye au-dedans et que ta parole porte du fruit. Qu'elle porte du fruit parce que nous voulons être transformés. Nous voulons, Seigneur, marcher comme toi. Nous voulons nous abandonner et nous voulons renoncer au nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous emmènes à être et que tu nous emmènes à l'amour. Que nous nous abandonnons totalement à toi. Que tu crois et que toi seul, que ta volonté se fasse et rien que la volonté. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Nous te recommandons notre cette foi. Nous te recommandons notre nuit. Nous te prions, Seigneur, que toi tu veilles sur nous. Que toi tu veilles sur nous. Que toi tu veilles sur nous. Que tu nous transformes, garde chacun. Que tes anges campent autour de nous, autour de nos familles respectives, et que toi tu nous combles de tes grâces et de tes bontés. Continue à renouveler, Seigneur, tes grâces. Merci, Père, pour cette alliance que toi tu as pu avoir bâtie avec toi ce soir. Et nous chantons, Papa, parce que toi tu es avec nous. Merci, Seigneur, oh Dieu. Que la fin de ces plans ne puisse pas être la fin de ta présence dans nos vies. Et Seigneur, oh Dieu, que ça puisse être un moment, oh Dieu, où nous allons avoir envie de te rechercher. Hier, ton serviteur nous a parlé et il nous a dit que nous devons apprendre à méditer la parole. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que nous voulons être tes intimes, nous voulons devenir tes intimes, afin, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions être sensibles à ta voix. Que cet enseignement s'inscrive au-dedans de nous et que cet enseignement
porte du fruit. Merci Seigneur pour nos vies. Merci Seigneur parce que toi tu as encore fait. Merci Seigneur pour ce séminaire. Et je prie Seigneur au Dieu que toi tu puisses nous recharger afin Seigneur au Dieu que nous puissions persévérer, que nous n'abandonnons pas et que nous persévérons Seigneur. Toi Papa au Dieu tu as dit que celui qui manque de force en demande, nous te demandons de la force, nous te demandons l'équipement, nous te demandons Seigneur de nous conduire. Merci Père pour ta puissance, merci Père pour ta présence. Nous te recommandons nos nuits et cette soirée. Merci au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Transformation 2024. Transformation 2024. Bienvenue à Transformation 2024. Transformation 2024. Et nous allons faire descendre le feu des écluses des cieux. Préparez-vous, ça va chauffer. Shalom, peuple de Dieu, je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Ici votre frère Emmanuel Aya. Alors, je viens par cette vidéo vous inviter à un programme exceptionnel qui est nommé Transformation 2024. Dieu nous a visités pendant Transformation 2023. Et j'aimerais vous rassurer qu'en cette année, en cette saison, en cette période de transformation 2024, le Dieu de transformation 2023 est toujours vivant. Et je vous assure, il va vous visiter. Alors, mobilisons-nous, invitons nos proches, invitons nos familles, car Dieu s'est décidé lui-même d'ouvrir le ciel en cette période de transformation 2024. Ça va se passer sur notre plateforme de Famille en Christ. Restons connectés et que Dieu vous bénisse abondamment.